Good morgen, allez, Yiden et Tus, aujourd'hui le Nishmat Chaya Esther, Bat Miriam, ainsi que les Fouat Olivier, Israël Shimon Ben Chaya Esther, Khamshat Miriam Bat Ozlena, et Biyamin Ben Chabiba, Betor Shah Chol Israël. Si vous souhaitez, vous souhaitez d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat, Perek Rav Gimel, Mishnah Hey, Osin Kol Tzor Kehamet, Sachin, ou Medichin Oto, Bilvad Shelo Yazizu Boevar, Shomtim et Akar, Mitachtav, ou Matilin Oto, Alachol, Bijvil Sheyamtin. On continue avec les Mishnayot un petit peu morbides qui nous parlent de l'entretien des morts à Shabbat, des défunts. Et la Mishnah m'enseigne comme ça. Osin kol tzorkei hamet. On a le droit de faire tous les besoins, tout ce qui est nécessaire pour le mort à Shabbat, pour l'entretenir. Notamment, sachin, on a le droit de loindre d'huile, de baume, ou medichinoto, de le rincer. Ou bilvad shelo yazizu boevar. Mais attention, interdiction de lui bouger un membre. Le mort à Shabbat, il est mukté. On n'a pas le droit de le déplacer. On a le droit de l'entretenir, on n'a pas le droit de le déplacer. Même pour le déplacer s'il est au soleil, c'est toute une histoire. Il faut lui poser un pain dessus ou un enfant dessus, s'il y a un enfant qui veut le monter dessus. Et après, on le dépose, il devient bassiste, c'est toute une histoire. On n'a pas le droit de déplacer un mort de manière générale. Très délicat, très embêtant. Et maintenant, on a le droit malgré tout de l'entretenir pour ne pas qu'il va se détériorer. Et pourrir, bien sûr, avec la chaleur, avec le soleil. Du coup, on a le droit de l'entretenir. Myoxal Bartonora, il rajoute qu'apparemment aussi, je n'ai jamais travaillé dans la trêve à Kedisha, c'est un peu dur pour moi, quoi. Mais apparemment, on a l'habitude de lui boucher les orifices pour ne pas qu'il gonfle. On a le droit de le faire aussi pendant Shabbat. Mais on n'a pas le droit de lui déplacer un membre. Donc on a le droit, parce qu'en fait, c'est une grande règle qu'il faut connaître pour le mukté de manière générale. Un mukté, j'ai pas le droit de le déplacer, mais j'ai le droit de le toucher. J'ai le droit de poser le doigt dessus si nécessaire. J'ai le droit de l'essuyer, si nécessaire. En l'occurrence, c'est ce que j'ai le droit de faire avec le mort. Mais par contre, le déplacer, c'est assourd. Le partenaire rapporte, à une exception près, c'est l'œuf qui vient né à Shabbat, il est moukté. Lui, je peux même pas mettre le doigt dessus, parce que comme il est rond, alors dès que je vais le mettre le doigt dessus, il va bouger forcément. D'accord. Et maintenant, on continue. Donc, encore autre chose. Shomtim et akar mitachtav, on a le droit de le supprimer, le car. Le car, on traduit en hébreu moderne le coussin, mais en fait, car ve keset, dans la Gemara, j'ai l'impression plus que le car, c'est une sorte de... C'est un petit matelas comme ça qu'on mettait pour être plus à l'aise sur la paille. Alors, s'il est maintenant, il est couché, le mort, sur un petit matelas ou sur un coussin, peu importe, ça change un problème, mais j'ai le droit de les retirer pour qu'il se retrouve à terre. Là, cette fois-ci, regardez, je suis en train de le déplacer, mais sans le toucher directement à lui, je retire le coussin, je retire le petit matelas pour qu'il se retrouve à terre. Quel est l'intérêt, bien sûr? Au matilinoto à la chol, bijvil sheyamtin. Et ainsi, je vais pouvoir le mettre sur le sable par terre, qui est moins chaud que les tissus, de manière à ce qu'il va mieux supporter la chaleur pour le Shabbat. Imaginez qu'on est encore à 10h du matin, et qu'on a encore de longues heures devant nous. Si on va le laisser sur un tissu, il va pourrir davantage, le pauvre. Et donc, du coup, pour l'entendre, on aura le droit de retirer ces choses-là, pour qu'il soit à même le sol. D'accord? Et ensuite, on continue avec la cochrine et l'échi. On a le droit aussi de lui attacher la mâchoire. C'est-à-dire, on lui fait avec un ruban, on lui fait le tour de la tête, on lui fixe, de manière à ce que ça ne va pas plus ouvrir. L'oche y allait pas pour lui fermer la bouche. Elle lâchait l'œil aussi, mais pour que la bouche ne s'ouvre pas davantage. Apparemment, je ne sais pas exactement, j'imagine que le mort, naturellement, il va chercher à prendre sa position la plus... élémentaire, je sais pas comment dire, primaire, et du coup, il va avoir tendance à peut-être à vouloir ouvrir sa mâchoire, à détendre totalement les muscles. Du coup, on veut lui fermer la bouche, on a le droit de lui mettre un ruban pour lui bloquer que ça s'ouvre pas davantage. Mais par contre, si ça commence à s'ouvrir, on n'a pas le droit de serrer davantage pour que ça va se refermer. Ok? Selon le même principe, Vechen Kora Shenishbera, idem pour une poutre qui s'est cassée. Imaginez qu'on a une poutre comme ça qui descend du plafond jusqu'au sol, qui soutient le plafond, et elle s'est cassée. Maintenant, elle va avoir commencé à tendance à s'affaisser. Alors la Mishnah m'enseigne
Selon le même principe, Somchinota Besafsal o Barukot Amita, j'aurais le droit de la soutenir, de lui apporter un soutien, de lui mettre un banc, d'être Somechota, c'est-à-dire de la soutenir avec un safsal, avec un banc, o Barukot Amita, ou bien avec, je ne sais pas exactement comment c'est, des barres de lit. Mais attention, l'Ocheta n'est pas que tu vas essayer ainsi de redresser davantage la poutre, non. Elle a Shalot aussi, juste pour qu'elle ne rajoute pas davantage dans dans son affaissement. On continue à parler du mot encore. En me'amtsin et amet be'shabbat. On n'a pas le droit de fermer les yeux du mort à Shabbat. Ouais, des fois il peut mourir avec les yeux ouverts, donc on lui ferme les yeux. Et puis après ça reste fermé ainsi. Et la Mishnah rajoute en disant, sache que même que velo bechol et mitziat nefesh. Et même en chol, tu n'as pas le droit de lui fermer les yeux si toutefois il est en train de décéder. Comme un. C'est-à-dire, si en ce moment, il est en train de. Dans ses dernières forces, le mort, la Mishnah nous dit, on n'aura pas le droit de lui fermer les yeux. Pourquoi? Parce que Ve'ame Amet Simietziat Nefesh, celui qui va fermer les yeux au moment où le Nefesh est en train de sortir, ou la vie est en train de partir, la Neshama est en train de sortir. Arezé Chauffeur Damim, c'est un meurtrier, elle est en train de lui raccourcir la vie. C'est un peu comme un Lagmal compare ça. Comme une veilleuse qui est en train de s'éteindre. Ouais, dans les derniers instants, elle donne ses dernières forces comme ça, elle crépite, elle saute. Quelqu'un, il va vouloir faire quoi que ce soit dedans, il va la toucher à peine, il va tout de suite l'éteindre. Même principe, le mort, il est en train maintenant de décéder, enfin le vivant, il est en train de partir maintenant, de passer dans l'autre monde, et puis il est en train de donner ses dernières forces, Et si à ce moment-là on va lui fermer les yeux, ben c'est possible que le petit geste qu'on va lui faire, ça va faire que ça y est, c'est le petit coup fatal qui va le tuer. C'est-à-dire que Khasvi Khalila, on l'aura tué activement, quoi. C'est très grave. Même si on ne sera pas Rav Mita pour ça, parce que de toute façon, il était déjà en train de mourir. Il était déjà mourant. Mais quand même, on a été Mekarev Mita, on approchait sa mort. Et on a en théorie fini, seulement j'aime pas rester sur quelque chose de tellement dur. Donc je commence la mission prochaine, d'accord? On va parler dans le prochain Pérec, mais en Hachem, Pérec 24. Celui qui est en train de. Ça lui est arrivé, il est resté dans le désert, il était sur la route, et puis d'un coup la nuit est en train de tomber, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il pourra donner son kiss, sa bourse au goy. On apprendra exactement mes dans les détails. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv, c'est là.